Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que nous sommes dans la joie Amen. D'être venus dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Il vente, il neige, nous venons toujours dans la maison de Dieu Amen. Pour le servir, pour le louer, le glorifier et l'adorer. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Jean chapitre 17. Jean 17, à partir du verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Prions. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi, ô Dieu, te rendre de multiples actions de grâce et te remercier, Seigneur Dieu, pour ce culte que tu as déjà commencé avec nous, Père, car tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es déjà au milieu de nous pour nous bénir, pour nous parler, et pour nous conduire par ton glorieux Saint-Esprit. Sois avec nous, Seigneur. Bénis ces paroles que nous avons lues dans nos cœurs, afin qu'elles puissent nous donner la vie qui est en elles. Sois loué, sois glorifié, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Puisse le Seigneur bénir sa parole que nous avons lue. Le dimanche, nous avons vu que nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde n'est pas à nous. Ce monde ne nous appartient pas. Et nous aussi, nous n'appartenons pas à ce monde. Amen. 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 Donc, comme nous ne sommes pas de ce monde, le monde ne peut pas nous intéresser. Les choses du monde sont pour les gens qui aiment le monde. Mais nous, nous avons autre chose. Et nous avons montré que pourquoi nous ne devons pas aimer le monde, pourquoi Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17, il a dit, n'aimez point le monde. Nous avons montré pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. Nous avons vu que le monde est sous la puissance du malin, le monde entier. Nous pouvons le relire dans 1 Jean chapitre 5. Verset 19, il dit, nous savons que nous sommes des dieux. D'abord, la Bible dit, nous sommes des dieux. C'est-à-dire que nous sommes nés des dieux. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Nous lui appartenons. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. C'est celui qui est réellement né de nouveau par le Saint-Esprit
qui est fils et fille de Dieu. Et Jean dit, nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes plus, nous n'appartenons plus à ce monde. Ce monde n'a rien à faire avec nous. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et celui qui est né de Dieu a une autre nature. La nature ancienne est passée, elle n'existe plus. Nous avons vu l'autre fois que lorsque nous entrons dans l'eau, nous ressortons de l'eau, nous laissons la vieille nature dans l'eau. La vie du péché, nous la laissons là, dans l'eau. Nous nous ressortons de l'eau avec une vie nouvelle. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous ressortons de l'eau avec une nouvelle pensée, avec une nouvelle mentalité, avec la nature divine. Nous devenons des fils et des filles de Dieu. Et Jean dit, nous savons, nous devons le savoir. Chaque fils et fille de Dieu né de lui doit le savoir, doit être convaincu dans son cœur qu'il est fils et fille de Dieu. Parce que dans Romains 8, 14, ou Romains 16, ou 8, verset 16, il est écrit l'Esprit lui-même, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est après avoir expérimenté la nouvelle naissance que le Saint-Esprit va te convaincre, te montrer que tu es réellement fils et fille du royaume. Alléluia. Et si nous sommes nés de Dieu, nous devons aussi savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, le monde est sous la puissance du diable. Le monde est dirigé par le diable. C'est pourquoi Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime encore le monde et les choses qui sont dans le monde, cela veut dire que l'amour du Père, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. En d'autres termes, il devient ennemi de Dieu. Jacques 4:4 nous le dit. Adultère que vous êtes. Si quelqu'un aime encore le monde, il s'est fait ennemi de Dieu lui-même. C'est clair. Oh, celui qui est né de nouveau n'aura pas l'amour du monde en lui. Tout a été enlevé. Dieu a tout enlevé. Par sa parole, il l'a sanctifié, il l'a nettoyé, il a enlevé l'amour du monde, l'envie du monde, toutes ces choses ne sont parties. Parce qu'il est né de nouveau. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre ces choses. Donc si le monde est conduit par le diable, les gens du monde aussi sont automatiquement conduits aussi par le diable. Parce que le Saint-Esprit, lui, il conduit uniquement les enfants de Dieu. Romains 8. Romains chapitre 8. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Donc vous comprenez que les véritables enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, il te conduira dans la parole de Dieu. Il te fera vivre la parole de Dieu. Tout ce que tu feras, tu dois faire dans ta vie, doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Tout. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça être conduit par le Saint-Esprit. Si réellement c'est le Saint-Esprit qui te conduit, tout ce que tu feras dans ta vie doit être conforme aux Saintes Écritures.
Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans la discothèque, parce que dans une discothèque, par exemple. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire n'importe où il y a de la saleté. Parce que l'Esprit de Dieu est saint. Et comme il est saint, il va aussi habiter dans un cœur saint. Et s'il habite dans un cœur saint, donc cela veut dire qu'il te conduira de sainteté en sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si toi, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, donc cela veut dire que tu n'es pas conduit dans la sanctification. Parce que le Saint-Esprit conduit uniquement dans la sanctification. Comme il conduit selon la parole de Dieu, Jésus dit dans Jean 17, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. Matthieu 5 dit, « Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc un cœur purifié, sanctifié, lavé par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu vient en toi et elle enlève toutes les ordures. Toute la mondanité doit sortir. Et Paul, toujours dans Romains 8, il dit ceci, lisons au verset 5. Il dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. C'est normal. Parce qu'il vit, il fait des choses qui vont, qui marchent avec sa nature. Il a la nature du monde, la nature pécheresse, la nature de la chair. Donc, c'est normal qu'il vive selon la chair. Alléluia. Amen. Alors, il doit s'affectionner aux choses de la chair. Parce qu'en lui, il y a encore la mondanité. Le monde est encore en lui. L'amour du monde est encore en lui. C'est tout à fait normal qu'il s'affectionne aux choses de la chair. Parce qu'il vit selon la chair. Mais le verset continue, il dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ah! Galates le dit. Mettons un doigt ici. Allons d'abord, disons Galates, qu'est-ce qu'il dit? Disons dans Galates chapitre 5. Il dit ceci. Galates chapitre 5, verset 16, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Vous verrez dans vos Bibles, l'esprit est écrit le E en majuscule. C'est-à-dire, il s'agit du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de l'homme. Ici, il s'agit de l'esprit du Dieu vivant. Alors il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Et il dit, ici il dit, que si vous marchez selon l'esprit, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17, toujours dans Galates chapitre 5, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Ils ne sont pas amis. Ils ne se parlent même pas. L'autre est à gauche, à droite, l'autre est à gauche. Ils ne se rencontrent même pas. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de relation entre le désir de la chair et le désir de l'esprit. Ça ne se croise pas. Ils sont opposés.
Et il dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Amen. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Non. Celui qui est conduit par l'esprit du monde, lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a le langage vulgaire qu'on dit dans le monde, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit a des limites. Amen. Alléluia. Amen. Il reste dans la parcelle de la parole de Dieu. Amen. Dans la parole, il ne sort pas. Ni à gauche, ni à droite. Il est dans la parole de Dieu. Amen. Nous avons vu l'autre fois que Israël, lorsqu'il sortait de son pays, de sa terre, il n'était plus béni. Dieu ne le bénissait pas. Mais lorsqu'il rentrait en Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'il rentrait dans sa terre, là, Dieu le bénissait. Et l'enfant de Dieu doit aussi rester les deux pieds dans la parole de Dieu. Amen. Pour recevoir la bénédiction de Dieu Tout-Puissant. Amen. Tu dois rester dans la parole. Amen. Pas un pied dedans, un pied dehors. Non, les deux pieds dans la parole de Dieu. Amen. C'est là ta parcelle. Amen. C'est là où tu dois vivre. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est là que tu dois attendre le glorieux Saint-Esprit. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. Pas ailleurs. Revenons dans Romains chapitre 8. Nous avons lu le verset 5. Là, le verset 6 dit ceci. L'affection de la chair. C'est-à-dire que c'est lui qui aime la chair. L'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Donc c'est lui qui aime la chair. Le salaire, c'est la mort. Il n'y a pas autre chose. Dieu ne blague pas. Dieu ne fait pas du théâtre. Dieu n'est pas un comédien. Quand il dit une chose, elle arrive. Quand elle l'ordonne, elle existe. Il est le Dieu de sa parole. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et il dit, l'affection de la chair. Le salaire, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est le péché. Donc celui qui aime encore le monde, il va se retrouver là dans, avec le diable, dans l'enfer. Et pourtant, il est écrit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Vous me suivez? Dieu n'a pas créé l'enfer pour y envoyer un homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il ait la vie éternelle. Pour qu'il ait sa nature, pour qu'il ait sa vie. Mais là, c'est l'homme lui-même qui veut aller en enfer. C'est l'homme lui-même qui veut aller en enfer, qui décide d'aller en enfer. Moi, je veux aller en enfer. C'est comme ça. Je veux aller en enfer. Et il est conscient. Il sait que l'enfer est là. Et il fait que si je fais ceci, si je fais cela, je mène telle ou telle vie, j'irai en enfer. L'homme accepte, ok, oh, je m'en vais en enfer. Si tu vas en enfer, Deutéronome dit clairement, à Dieu n'est pas la faute. Parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Il t'a donné tous les outils, tout ce qu'il faut. Il t'a montré le chemin. Il a dit à Adam et Ève, il a dit à Adam plutôt, il y a deux arbres. Fais un choix. Si tu manges ça, tu vas mourir. Mais si tu continues à manger cet arbre, tu auras la vie en abondance. Ce n'est pas Dieu qui a choisi l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal à Adam. Non, c'est Adam lui-même qui a fait son choix.
Vous comprenez? Et Dieu nous donne un conseil dans Deutéronome 30. Choisis la vie. Amen. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Amen. Donc, l'affection de la chair, on est au verset 6, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Alléluia. Celui qui aime, qui est conduit par le Saint-Esprit, doit aimer les choses spirituelles. Il doit aimer les choses du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, si tu nais de nouveau, tu verras alors, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous avons suffisamment montré que voir là signifie comprendre. Amen. Alors celui qui est né de nouveau est censé comprendre les choses du royaume. Amen. Et si quelqu'un a compris les choses du royaume, il ne vivra pas selon le monde. Il va vivre selon le désir de l'esprit. Amen. Parce que le commandement vient de là. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient du ciel pour le conduire. Amen. Et il le conduira dans les choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Colossiens 3 dit, celui qui est né d'en haut s'affectionne aux choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Amen. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. C'est impossible. Il est désobéissant. Il est désobéissant. Et il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Jamais. Même pas un jour. Même pas une minute. Non. Elle ne le peut pas. Comme nous l'avons lu dans Galates, ils sont opposés. Le verset 8 dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Donc si tu veux plaire, faire plaisir à Dieu, tu dois vivre selon l'esprit. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois vivre selon l'esprit. Celui qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Impossible. Il y a inimitié entre lui et Dieu. Il est ennemi de Dieu. Parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Le verset 12, nous sautons, verset 12 dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et Paul dit dans Galates chapitre 1, il dit, si, il pose la question, à qui dois-je plaire? Aux hommes ou à Dieu? Si je plais encore aux hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de Christ. En tant que serviteur de Christ, je dois plaire à Dieu. En tant que fils et fille de Dieu, je dois plaire à Dieu, pas aux hommes. Je n'ai rien à voir avec les hommes. Ils n'ont rien à me donner. Mais Dieu seul me donne la vie éternelle. C'est lui qui pardonne mes péchés. C'est lui qui pardonne mes iniquités. Quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Quand je suis attristé, il me console. Je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui me console. Qu'est-ce que l'homme fait dans ma vie?
que l'homme fait dans ma vie. L'objectif d'un véritable fils et fille de Dieu, d'un véritable fils de Dieu, c'est de plaire à son Dieu. Amen. Être agréable à Dieu, amen, jour et nuit. Amen. Être agréable à Dieu. Amen. Aimer la parole de Dieu. Amen. Respecter les choses du royaume. Amen. Lisons Luc chapitre 4 et chapitre 8 plutôt. Nous l'avons lu dimanche. Luc chapitre 8. D'abord au verset 11, on nous explique ce qu'est la semence. C'est quoi la semence? Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est la semence. Exactement comme le maïs, comme les grains d'arachide. Lorsque vous les mettez dans la terre, quelques temps après, elle doit produire. Alléluia. Amen. Vous mettez le maïs, il produira le maïs. Vous plantez les arachides, vous récolterez les arachides, amen, pas autre chose. Et si vous laissez Dieu planter sa parole en vous, cette parole produira la vie de Dieu en vous. Amen. La parole est une semence. Elle est la semence royale. Le verset 14 plutôt, il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis du monde. Ça étouffe la parole de Dieu. Les soucis. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des soucis. Dites amen à ça quand même. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de soucis. Philippiens 4 nous dit, en toutes choses, donc ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas de soucis, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, amen, par des prières, des supplications, avec action de grâce. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, amen, en Jésus-Christ. Amen. Quels que soient les problèmes que vous avez, amen, il n'y a pas un problème insoluble devant Dieu. Aucun problème. Et dans Matthieu chapitre, je crois, 5 ou 4, je me rappelle, Jésus dit, qui parmi vous, qui par ses soucis peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La réponse est non, personne. Alors pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous avez des soucis? Toutes ces solutions, les solutions à tous nos problèmes, se trouvent entre les mains du Seigneur. Amen. Ayez confiance en lui. C'est parce que nous sommes incrédules. C'est parce que nous sommes incrédules que nous allons chercher des solutions par-ci, par-là. Non. La solution se trouve auprès de Dieu. Amen. Tout ce dont j'ai besoin se trouve entre ses mains. Amen. Dans la Bible, nous avons l'exemple de... Comment il s'appelle? Rebecca. Rebecca. Isaac. Et Rebecca était la femme d'Isaac. C'est la femme d'Isaac. Rebecca, quand elle est tombée enceinte, elle a senti
une sorte de guerre dans son ventre, Rebecca n'est pas allée voir un sorcier. Et elle n'est pas allée voir son grand-père, son oncle, et aussi... Non! La Bible dit, Rebecca a consulté l'Éternel. Amen. Et elle a consulté l'Éternel. Cela veut dire que Rebecca s'est mise à genoux, elle a commencé à pleurer devant Dieu, et Dieu lui a donné la solution. Je répète, il n'y a pas de problème insoluble devant Dieu. Mais c'est plutôt notre incrédulité. Nous échouons dans la vie parce que nous sommes incrédules. Parce que nous n'aimons même pas la prière. Nous n'aimons même pas la parole de Dieu. Nous n'avons même pas les soucis de la parole de Dieu. Oh là là. Alors, il dit, pas de soucis, il dit, les richesses étouffent aussi la parole de Dieu. Les richesses, ça étouffe la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6 dit, n'ayez pas l'amour de l'argent. Alléluia. N'ayez pas l'amour de l'argent. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Hein. Non, moi aussi j'en ai besoin. Tout le monde a besoin de l'argent. Mais l'argent a sa place. Dieu a la sienne. Amen. Alors, il continue, il dit, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Quand vous avez toutes ces choses-là en vous, les plaisirs de la vie, les soucis du monde et toutes ces choses-là, cela étouffe la parole de Dieu et vous ne... Donc, si vous êtes donc, un arbre qui porte, qui commence à donner des bourgeons, hein, commence à bourgeonner, un arbre qui a la vie en lui, il bourgeonne et puis ça continue et puis vous avez le fruit. Et le fruit doit arriver à maturité et vous mangez le fruit. Amen. Mais un arbre qui n'a pas assez de vie, qui n'a pas de bonnes racines en lui, il y a des bourgeons, ça commence à pousser un peu, et puis à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête. Vous attendez le fruit, il n'y a pas. Vous attendez le fruit, il n'y a pas. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper l'arbre, on va le jeter au feu. Et l'homme est comparé à un arbre. Et la Bible dit, si vous laissez ces choses, les soucis de la vie, les plaisirs de la vie, toutes ces choses-là, étouffer la parole de Dieu en vous, c'est fini. Vous n'arriverez jamais à maturité. Jamais. Et cela veut dire que la parole de Dieu ne fera rien en vous. Vous serez seulement quelqu'un qu'on regarde par l'apparence. Ah, c'est un frère. Ah, c'est un bon frère, ah, c'est une bonne soeur, eh, de tout ça. Ça, c'est l'apparence. Et nous avons vu dernièrement que l'apparence est souvent trompeuse. Et Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde dans le cœur. Il regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a la foi. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a le monde. Si c'est la foi, tu arriveras à maturité. La vraie foi. Mais si c'est le monde qui est en toi, tu n'arriveras jamais à maturité. Tu vas seulement nous présenter l'apparence et c'est fini. Nous nous contentons de ton apparence. Que Dieu nous aide, mes frères. Toute personne qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. C'est pas moi qui l'ai dit, vous connaissez la Bible, vous lisez la Bible. C'est lui qui vit dans le plaisir. Il est mort. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Parce que celui qui aime le monde passera aussi avec le monde. Parce que le monde va passer. Amen. Le monde sera jugé. Amen. Et si tu veux aller en enfer avec le monde, ça c'est ton problème à toi. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore l'occasion de faire un choix. Nous devons chacun faire un choix. Amen. Nous devons chacun décider la voie qu'il faut suivre. Amen. C'est aujourd'hui. Amen. Demain, ça sera trop tard. Demain appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, t'appartient. Amen. C'est aujourd'hui que tu dois faire prendre la décision ou de servir Dieu ou de servir le monde. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, Acab a dit, ou plutôt Élie a dit à Acab, ou au peuple, je pense, de quel côté, c'est quoi encore? De quel côté crochez-vous? Vous êtes du côté de l'Éternel ou vous êtes du côté de Baal? Il faut faire un choix. Chacun doit faire son choix. Comme nous faisons le choix dans la vie, nous choisissons notre école, nous choisissons notre travail, nous choisissons notre femme, nous choisissons. C'est la même chose aussi. Ce soir, il faut faire le choix entre le ciel et le monde. Et Dieu n'oblige personne. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Il donne à chacun l'occasion de faire son choix. Et il faut faire le bon choix. Le bon choix. J'ai aimé la parole que nous avons lue dans 1 Pierre. Lisons-le. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. La Bible dit, au verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Amen. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'appel est une expérience. Quand Dieu t'appelle pour le salut, tu dois le savoir. Tu dois savoir, tu dois être convaincu que Dieu m'a appelé pour être sauvé. Il m'a appelé pour aller au ciel. Tu dois le savoir. Et celui qui est convaincu de son appel ne rentrera jamais en arrière. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, que ce soit dans sa vie, dans sa maison, dans son église, il ne rentrera jamais en arrière. Parce que l'objectif, c'est d'aller de l'avant. Amen. D'atteindre le but. Amen. C'est ça, nous avons un but. Amen. À atteindre. Amen. Et celui qui a compris cela, qui est né de nouveau, son objectif, c'est d'arriver au but. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a au but? Il y a une couronne qui nous attend. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Pas dans une partie, mais dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Amen. La sainteté, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. Dieu est saint. Et il faut que son peuple aussi soit saint. Amen. Dieu est saint, il faut que son église soit sainte. Amen. Et tout ce qui est dans l'église doit être saint. Doit être sanctifié, tout. Les chaises, les micros, toutes ces choses qui sont dans l'église, les hommes, les femmes, doivent tous être saints.
Pourquoi? C'est dans la maison de Dieu. Amen. Dieu est saint, il faut que son peuple aussi soit saint. Amen. 1 Pierre, chapitre 2. La Bible dit, au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui oublient souvent leur identité. Nous oublions souvent, à cause du monde et les choses qui sont dans le monde, nous oublions notre identité. Chacun de nous a une carte d'identité, hein. Quand il se retrouve devant la police, on demande « Où est votre carte d'identité ?» Nous présentons la carte d'identité. Le policier regarde, il dit « Ah, ok, passez. » N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Un chrétien a aussi une identité. Amen. Il est chrétien. À Antioche, on a pointé le doigt sur un groupe de gens. Ils avaient vu comment Jésus se comportait, comment Jésus avait vécu sur la terre, dans ce monde. Jésus dit, je suis du monde, je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, maintenant je ne suis plus du monde. Et aussi, ils ne sont pas du monde. On a vu comment Jésus avait vécu sur la terre, on a pointé un groupe de gens, voici les chrétiens. Ces gens-là sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient identifiés à Jésus. Amen. Vos amens sont faibles. Ils s'étaient identifiés à Jésus. Amen. On a vu la vie de Jésus en eux. Amen. On a vu le comportement qui était en Jésus-Christ dans ces gens-là. Amen. Alors on les a appelés chrétiens. Amen. Chrétien veut dire être comme Christ. Amen. Ressembler à Christ. Frère Branham, écoutez ce que Frère Branham nous dit ici. Je commence d'abord par lire ce que nous avions lu le vendredi pour rafraîchir notre mémoire. Écoutez bien, dans Paul, prisonnier de Christ. Frère Branham dit ceci à la page 6. Comme je viens de l'exprimer, votre vie, démontrera exactement de quel côté vous êtes. Peu importe ce que vous en direz, mais votre vie prouve ce que vous êtes. Et continue, dit, vos actions de chaque jour révéleront ce que vous êtes. Je saute, il dit, j'ai toujours approuvé le fait de crier et de sauter, mais j'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que ce que vous vivez, car le monde vous observe. Amen. N'oublions pas cela. Le monde extérieur nous observe tous les jours. C'est pourquoi nous devons nous examiner, contrôler notre vie. Notre comportement, nos paroles, tout ce que nous faisons, nous devons les contrôler. Parce que nous devons être sûrs là où nous mettons le pas. Il faut que lorsque je mets mon pas, que mon pas tombe sur le pas de Christ. Parce que Jésus nous a laissé les traces. Et nous, nous devons marcher sur les traces de Jésus. Là où Jésus a mis son pied, c'est là où je mets le mien. Le monde nous observe tous les jours. Écoutez. Il dit, vous devez sauter à la hauteur exacte à laquelle vous vivez, car vous êtes observé. Quand les gens ne veulent pas aller à l'église, 3 points de suspension, il continue, il y en a beaucoup qui ne veulent tout simplement pas y aller.
Parmi eux, il y a des gens sincères. Dans le monde, il y a des gens sincères. Mais ils voient une telle corruption dans l'Église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. Il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'Église. Les gens du monde, ils ne veulent pas venir à l'Église parce qu'ils voient, ils voient des bêtises dans l'Église. Ils voient des bêtises, la corruption dans l'Église. Mais comment voulez-vous qu'ils viennent? Ils viendraient faire quoi? Quel exemple vous lui donnez? Il ne viendra pas. Il continue, frère, on continue, il dit, souvent, nous ne pouvons que leur donner raison. C'est le professeur qui dit, ils ont raison ces gens-là. On ne peut guère les blâmer quand on voit comment se conduisent ces gens qui se disent chrétiens. Amen. La plus grande pierre d'achoppement placée devant le monde, ce sont les hommes et les femmes qui se prétendent chrétiens et qui vivent autrement que ce qu'ils proclament. Amen. C'est l'exacte vérité. Amen. Et pour ce qui est de la déception, qu'il y aura le jour du jugement, les pécheurs, tels que les trafiquants d'alcool, joueurs et adultères, ne seront pas étonnés d'entendre la sentence qui les enverra dans le feu qui ne s'éteint point. Ils ne seront pas surpris, contrairement à celui qui essaye de se cacher derrière une confession religieuse ou une autre. C'est celui-là qui sera déçu au jour du jugement. Celui qui se dit chrétien et qui vit autrement, oui, celui qui se dit chrétien et qui vit autrement, il vaudrait mieux pour lui n'avoir jamais fait de profession de foi. Il aurait mieux fait de s'éloigner plutôt que de s'engager sans que sa vie soit conforme. Car la plus grande pierre d'achoppement est celui qui professe d'être un chrétien, mais qui vit autrement. Paul, prisonnier de Christ. Ne jugez jamais votre vie d'après la puissance que vous avez de faire des miracles, ni d'après votre connaissance de la parole. Mais regardez en arrière et faites l'inventaire des fruits que porte votre vie actuellement. Discernez le corps du Seigneur. Je suis à la page 5. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, il fait allusion, il parle du repas de la Sainte Cène, du repas du Seigneur. Il dit, ces chrétiens prenaient le repas du Seigneur, mais ne vivaient pas la vie chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ces chrétiens ne prenaient pas, prenaient le repas du Seigneur, mais ne vivaient pas la vie chrétienne. C'est ce que nous avons toujours vu. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, écoutez. Il dit, être chrétien est une expérience et une manière de vivre. Amen. Être chrétien est une expérience et une manière de vivre. Amen. Ça veut dire qu'être chrétien, c'est, on est chrétien, on devient chrétien lorsqu'on est de nouveau. Quand on a fait l'expérience de la nouvelle naissance, alors là, nous devenons chrétiens. Pas lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Non, à la nouvelle naissance, tu es chrétien. Tu deviens chrétien. Et par conséquent, ta façon de vivre doit aussi changer. Vous voyez? Et ces chrétiens, il continue, il dit, et ces chrétiens vivaient n'importe comment, donnant un piteux exemple de leur foi. En tout cas, je vous demande de m'accorder au moins 10 minutes.
vivaient n'importe comment, donnant un piteux exemple de leur foi. Et Paul dit, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Ce qui signifie qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Il continue, il dit, et nous, qui nous donnons le nom de chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre le repas du Seigneur, à moins que nous vivions sans reproche face au monde. Avant de prendre le repas du Seigneur, il faut vivre sans reproche face au monde. Il faut que le monde voie que nous sommes sans reproche. Parce que notre vie, et notre vie, ma vie est un témoignage. Dans mon quartier, d'abord dans ma maison, dans mon quartier, dans la rue, au travail, à l'école, partout, à l'église, ma vie est un témoignage. Il dit, à moins que nous vivions sans reproche face au monde, nous n'en avons pas le droit. Le repas du Seigneur est pour ceux qui vivent selon la justice, étant des chrétiens exemplaires. La pire chose qu'il puisse y avoir au monde est quelqu'un qui essaye d'imiter quelque chose frauduleusement. Et il y en a beaucoup trop dans le monde actuel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement coupables du même crime que celui pour lequel Paul réprimanda l'église de Corinthe, mais encore, écoutez maintenant, d'essayer de faire quelque chose que le Seigneur a commandé sans discerner le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur est l'ensemble des croyants. Amen. 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 Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner aucune des paroles de Dieu. Nous devrions avoir le discernement pour chaque chose que nous faisons. Tout ce que nous faisons devrait être mesuré selon les critères de la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font et disent devrait être mesuré selon la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, doit être mesuré selon la parole de Dieu. Amen. Colossiens 3, 17 nous dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, nous devons nous poser la question. Ce que je fais est-il conforme à la parole? Je le fais au nom de Jésus-Christ. Quand je vais voler, je vole au nom de Jésus. Quand je vais tricher, je triche au nom de Jésus. Lorsque je profère des mensonges, je le fais au nom de Jésus. Non. Nous devons nous examiner. Alléluia. Amen. Bon, pour finir, permettez-moi de lire deux passages de la Bible. Et nous arrêtons là. Romains chapitre 12, ce sont des passages que vous connaissez. Ça parle du discernement. Ne vous conformez, chapitre 12, verset 2, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Un enfant de Dieu, nous l'avons toujours dit, né de nouveau, doit avoir le discernement. Voir un bon discernement. Il doit savoir ce qu'il fait. Il doit être conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Il doit discerner, voir ce qui est la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je fais est conforme à la volonté de Dieu? Ce que je fais, est-ce que c'est bon
agréable et parfait devant Dieu. Et nous, lorsque nous discernons, nous ramenons tout ce que nous faisons à la parole de Dieu, à la Bible. Un dernier passage, Philippiens. Philippiens chapitre 1, et nous allons terminer par là. Philippiens 1, le verset 9 dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Amen. En connaissance et en pleine intelligence. Il n'y a que l'amour parfait qui entrera dans le royaume de Dieu. Amen. L'amour dont on parle ici, c'est l'amour de Dieu. Amen. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Nous devons, il faut que cet amour-là, chaque jour, puisse augmenter de plus en plus. Nous devons expérimenter l'amour divin. Celui qui aime Dieu aime aussi sa parole. Et celui qui aime la parole de Dieu aime Dieu. Parce que Dieu et la parole sont unis. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas nous faire du mal. Si j'aime mon frère, Job, je ne lui ferai pas du mal. Romains 13 nous dit que l'amour, les commandements, les 10 commandements ont été résumés en une seule parole. Aime Dieu de tout ton cœur et aime aussi ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne lui feras pas du mal. Si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Tu aimes ton frère, tu ne lui feras jamais du mal. Et l'amour divin, c'est ça qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu. L'amour divin. Parce que l'amour véritable vient par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, au verset 5, on nous dit que l'amour a été déversé en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc c'est le Saint-Esprit qui amène l'amour. C'est pourquoi nous insistons toujours sur le baptême du Saint-Esprit. Donc cherchez le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui amène l'amour dans la personne qui le reçoit et c'est lui qui amène l'amour dans l'Église. Alléluia. Amen. Alors il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Afin que vous soyez purs et irréprochables. Amen. Quand on parle que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, cela ne concerne pas seulement les anciens, les diacres, tous ceux qui font le service divin dans l'Église. Non, ça concerne tout enfant de Dieu. Amen. Chaque fils et fille de Dieu doit être irréprochable. Amen. Doit avoir une vie irréprochable. Parce que si tu n'es pas irréprochable, la Bible dit que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, les jours de l'enlèvement. Celui qui n'est pas irréprochable n'ira pas dans l'enlèvement. Parce que là, rien d'essuyé n'entrera. Nous l'avons vu dimanche. Rien d'essuyé, rien d'impur n'entrera là au ciel. Ce qui va entrer au ciel, c'est ce qui est pur, irréprochable, net, clair, sanctifié, lavé, purifié. Nous devons être plus blancs que la neige. Nous le chantons. Blanc, plus blanc que la neige. Nous devons, cela doit être notre vie. Nous devons l'expérimenter.
être pur et irréprochable, rempli du fruit de justice, verset 11, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des véritables fils et filles de Dieu. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ayons la crainte de Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et celui qui n'a pas la crainte de Dieu en lui, l'Écriture qui dit que l'ange de l'Éternel tend pour tout de ce qu'il craint, il ne s'accomplira jamais dans sa vie. Donc tu seras exposé devant le diable. Le diable fera n'importe quoi dans ta vie parce qu'il n'y a personne qui te protège. Pour que Dieu te protège, tu dois le craindre d'abord. D'abord la crainte. Et nous devons travailler à notre salut, comme le dit la Bible, avec crainte et tremblement. Amen. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Respectons Dieu. Aimons Dieu. Amen. Lève-nous.